Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction. Vous le savez déjà, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette mini-série où je ne construis que des mini-maisons avec chacune une contrainte différente. Dans le précédent épisode, on s'était attaqué à cette maison, maison dans laquelle la contrainte était d'utiliser uniquement le dernier coloris de chaque objet. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, je vous la mets en fiche en haut à droite, ainsi que les précédentes de cette mini-série. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la dernière mini-maison du terrain, mais je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai très envie de bouger sur un terrain un petit peu plus grand, histoire de pouvoir construire quelques mini-maisons supplémentaires. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, on s'attaque donc à celle-ci. Encore une fois, je vais la faire avec une contrainte que vous m'avez donnée en commentaire. Et aujourd'hui, la contrainte sera de n'utiliser qu'un seul objet de chaque pack. Je sens que ça va vraiment pas être évident. Alors, j'ai pas tous les packs. Ceci dit, j'en ai quand même une majorité. Pour ce qui est des packs d'extension, il ne me manque que Vio Ranch. Les packs de jeu, je dirais que j'en ai les deux tiers. Les kits d'objets, pareil, les deux tiers, voire même un peu plus. Et pareil pour les Rikikits qui concernent uniquement la construction, j'en ai au moins la moitié. Ce qui nous laisse quand même pas mal du coup d'options, et heureusement la maison n'est pas très grande, parce que ne pas utiliser deux objets du même pack, ça veut dire par exemple que si j'ai deux comptoirs dans la cuisine, ça ne pourra même pas être des meubles de la même collection, donc c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident si on veut que ce soit harmonieux. Donc sans plus tarder, on va commencer, et je vais déjà commencer par sélectionner tous les packs, sauf le jeu de base. Pour l'instant, je ne vais pas le sélectionner. Disons que le jeu de base, il sera là pour me sauver si jamais il y a une catégorie où il me manque un objet et que je n'en trouve plus dans les packs. J'irai piocher là-dedans. Je vous propose qu'on commence par la cuisine parce que dans cette pièce, je sais déjà que je vais avoir besoin de deux comptoirs, sauf si j'utilise pour l'évier un meuble avec déjà un comptoir, comme par exemple celui de vie à la campagne. Il y a aussi celui de cuisine rustique. Cuisine rustique d'ailleurs qu'il faut absolument que j'utilise dans la cuisine, sinon je sais pas du tout où je vais pouvoir placer un objet de ce Rikikit. Ah mais attendez, pour cuisine rustique, je me dis que je pourrais sélectionner un meuble haut. Celui-ci avec les petites assiettes, il est pas mal. Pour la couleur, on verra plus tard. Mais déjà, ça me permet d'enlever ce Rikikit. Pour l'évier, donc, j'aimerais bien en prendre un avec l'évier directement encastré. Peut-être que celui de dans la jungle pourrait faire l'affaire. Ah, ou même celui-ci. Ça, c'est quoi? Être parent, je crois? Écoutez, je vais partir là-dessus. Pour la couleur, on verra plus tard. C'est pareil. Maintenant, il me faut le comptoir pour pouvoir cuisiner. Oh, et ce serait assez smart d'utiliser Passion Cuisine, du coup. Il faut que je trouve, par contre, un coloris qui se marierait assez bien avec l'évier. Alors, voyons voir ce qu'on aurait. Comme ça, ça passe. Bon, c'est pas incroyable, je vous l'accorde, mais au niveau du plan de travail en haut, en tout cas, je trouve pas ça hyper gênant. Dans ce cas, je passe ça en blanc également. Et donc, j'enlève Passion Cuisine. Pour le frigo, il y a le pack en cuisine que je pourrais utiliser. Comme ça, je prends le frigo blanc. Il est archi basique, ça passe bien. Et hop, un pack de moins. Et pour la gazinière, celle de Aloé, elle est quand même pas mal. Disons que ça fit assez bien avec le reste de la cuisine. Ceci dit, j'ai plus que deux hottes disponibles dans mes packs là. Et l'une des deux vient aussi de Aloé. Donc si je veux me garder la possibilité d'utiliser cette hotte, il va me falloir une autre gazinière. Ouais, vous savez quoi, je vais faire comme ça. Donc la hotte de Aloé. Ah mais non, pardon, c'était pas du tout Aloé, c'était Grandir Ensemble, voilà. Et du coup, la gazinière, on aurait celle-ci qui vient d'Escapade enneigée, ou alors celle de Dans la jungle. Mais je crois que j'ai une préférence pour celle d'Escapade enneigée. Ceci dit, j'ai l'impression que je suis en train d'utiliser vraiment pas mal de, déjà de gros packs, mais surtout de packs que j'aime bien. Donc j'ai très très peur de bien m'en sortir pour l'instant, mais que ce soit la cata par la suite. Avec les meubles dans ce sens-là, c'est peut-être un peu mieux. C'est toujours assez étrange, mais bon,
On va s'en sortir. La hotte, elle va ici. Qu'est-ce que ça donne si je mets ces deux éléments en noir? Je suis quand même en train de me dire que ce plan de travail-là, de dans la jungle, il irait quand même mieux que celui-ci, je pense, avec le reste. Si je fais ça comme ça, j'enlève donc dans la jungle, mais en supprimant cet élément, ça me donne le droit de réutiliser donc un élément de passion cuisine. Et je pense que l'élément de passion cuisine que je vais utiliser, c'est un meuble haut. En sachant que j'aimerais en placer encore un, alors est-ce que avec détente au spa, je peux trouver quelque chose qui se marie avec le reste? Peut-être si je prends du noir ou du bois clair, ça pourrait être sympa. Mais alors pour harmoniser avec ça, bonne chance. Voilà ce que ça pourrait donner. Oula, c'est vraiment pas incroyable. Et si je passe tout en noir? Ouais, ça fait quand même un petit peu plus sens. Donc j'enlève passion cuisine, j'enlève détente au spa, je vais juste replacer tout ça un petit peu mieux. Il va me falloir une poubelle. Je me dis que ça pourrait être smart d'utiliser celle de chambre d'enfant, tout simplement parce que c'est un pack que je ne pense pas avoir besoin d'utiliser par la suite. Donc, entre guillemets, ça m'en débarrasserait. Même si, bon là, dans son coloris beige, en vrai, elle est jolie cette poubelle. Hein. C'est juste que, bon, dans une cuisine, ça n'a pas vraiment sa place. Et c'est dommage qu'on n'ait pas un coloris noir. Donc, je vais la laisser en beige. Pour les petites décos, tout ça, on repassera plus tard. J'ai complètement oublié de modifier le sol et les murs. Je vais essayer d'inclure ça dans le challenge. Pas sûr que ce soit hyper évident, mais bon. Ah, et je me dis que ça pourrait être une bonne façon d'inclure le pack, enfin plutôt le Riki Kit Riad de rêve, parce que celui-là, pour l'utiliser quelque part, ça va être compliqué. En revanche, on a ce sol qui est quand même pas si mal, alors un peu chargé, donc je me dis que ça pourrait être sympa de le mettre que dans l'espace cuisine. Alors attendez, faut juste que je trouve les bons morceaux avec la frise. Et à vrai dire, je l'aurais bien utilisé aussi dans la salle de bain, mais je vais quand même essayer de faire une pièce, un sol différent de chaque pack. Donc j'enlève Riad de rêve. Et comme carrelage, ce qu'il me reste pour faire la salle de bain, bah, je vais peut-être prendre au restaurant. Comme ça, on a un carrelage en marbre blanc, vraiment basique. Ça, ça pourrait aller. Oh, j'hésite même à le passer en noir, histoire que ça dénote pas trop de ce carrelage-là. C'est pas mal. Donc, on enlève au restaurant. Et maintenant, pour cette partie-là, est-ce que je partirais pas sur ce parquet d'heure de gloire? Ouais, je trouve que ça fit assez bien. Ok, donc on vire heure de gloire. Maintenant, pour les revêtements muraux, je pense directement au carrelage de Monde Magique. C'est vraiment mon objet préféré du pack en question et c'est aussi le plus facile à utiliser. Je vais choisir le noir comme ça pour la salle de bain. Et je sais pas pourquoi j'ai pas fermé la pièce encore une fois, attendez. Je fais ça tout de suite. Et pour la porte de cette pièce, je vais utiliser celle de Comme au cinéma. En noir comme ça, elle passe hyper bien. Maintenant, pour le reste des revêtements de la cuisine, en fait, je crois que je vais inverser. Je vais prendre ce revêtement de Vie Citadine pour la salle de bain et je vais venir récupérer le revêtement de Monde Magique pour la cuisine. Comme ça, je vais l'utiliser derrière et on voit uniquement la petite frise qui dépasse, c'est pas plus mal. Je vais juste rapidement rajouter un éclairage dans la salle de bain et je reviens aussi sur ce sol. Je sais pas si c'est la meilleure couleur maintenant que j'ai ce mur. Donc ça, c'était au restaurant, je crois. Oui, c'est ça. Je vais peut-être juste l'utiliser en blanc, finalement. Puisqu'on est bien parti sur la salle de bain, ben c'est ce que je vais faire dès maintenant. Pour ce qui est des toilettes... Ah, j'ai oublié de réenlever Monde Magique. Voilà. Donc je disais, pour ce qui est des toilettes, j'utiliserai bien ceux de saison. Vu que c'est pas un pack que je porte particulièrement dans mon cœur. Par contre, les toilettes, eux, ils sont plutôt bien. Donc, je vais mettre ça juste ici. Pour ce qui est du lavabo, oh là là, je sens qu'il y a des packs que je vais vraiment galérer à utiliser, là, dans ce qui reste. J'ai bien envie d'utiliser celui d'au travail, même si je l'aime pas du tout, mais parce que, bah, typiquement, ce pack-là, je sens que je vais avoir du mal à l'utiliser sinon. Donc, on vire au travail. Et pour le miroir, je vais peut-être prendre celui de chien et chat. Ouais. Allez, concernant la douche, maintenant j'ai été assez smart pour me garder les deux douches à l'italienne et je vais plutôt opter pour celle d'à la fac. Il me faut du papier toilette, tac tac tac, bah je vais pas avoir le choix, hein. Je vais utiliser celui d'accessoire de salle de bain et en même temps
fallait forcément que je l'utilise dans cette pièce, celui-ci, mais disons que j'aurais préféré le garder pour autre chose que pour le PQ. Donc, accessoires de salle de bain, enfin objets de salle de bain, pardon, c'est good. Et là, du coup, en termes de serviettes, bon, il me reste celle-ci pour les mains qui vient de vivre ensemble, mais sinon, c'est vrai que j'ai pas grand-chose, j'ai pas de serviette pour le corps, à moins que j'utilise le sèche-serviette, enfin plutôt le porte-serviette, pardon, qui vient de jour de lessive. Ici, il y a bien la place pour le mettre, et comme ça, il y a directement plusieurs serviettes dessus, donc ça me paraît bien. J'enlève jour de lessive, et je pourrais aussi rajouter la petite serviette pour les mains, mais je préfère me garder ce pack là en plus pour l'instant. On saura que je peux utiliser ça si je ne l'ai toujours pas utilisé à la fin. En revanche, pour le tapis, comment je vais pouvoir m'en sortir? Ah, attendez, je crois qu'avec ça, ça doit être en plein air. On a le tapis fleur là, mais en gris. Si je le réduis, ça peut faire tapis de salle de bain en vrai. De toute façon, soyons honnêtes, cette pièce, c'est clairement pas la plus jolie. Donc autant continuer dans cette lancée. Et on enlève en plein air. On va donc pouvoir passer à la pièce de vie. Et alors, j'ai même pas fait de séparation pour la chambre. Je vais faire ça comme dans la précédente vidéo, juste ici. Là, je vais fermer momentanément et je vais remplacer ça par un tympan. Ouais, bon, ce qui me reste en tympan là, c'est pas la folie. Hein. Je pense que pour une question de pratique, je vais pas fermer avec un tympan. Je mettrai juste un rideau ici s'il m'en reste à la fin, mais comme ça me fait économiser un pack. On passe donc à la chambre, et pour le lit, qu'est-ce qu'il me reste? Waouh, le pack campement là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, destination nature. Lui, je sais vraiment pas comment je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je me tâte à le prendre pour le lit, même si c'est vraiment pas incroyable. Bon, et si j'utilisais plutôt ce modèle-là? Attendez, déjà, qu'est-ce qu'on a comme couleur? En vrai, ça va. En fait, les draps sont sympas, hein. C'est juste le cadre du lit que j'aime pas du tout. Bon, ça fera l'affaire, c'est pas très grave. Je vire destination nature, et ça, croyez-moi, je suis plutôt contente. Maintenant, dans cette chambre, il me faudrait aussi une armoire ou une commode de ce côté. Avec île paradisiaque, on a cette commode. Problème, est-ce que là mes Sims y passent? Je suis pas sûre. En fait, il y a que avec cette armoire là d'année lycée que je suis sûre que le passage sera toujours bon. Donc, je vais venir mettre ça ici au niveau de la couleur. Je vais plutôt opter pour du bois. J'enlève année lycée et à côté, j'aimerais bien placer un miroir. Oula, miroir sur pied, il reste vraiment pas grand chose. Je pense que je vais prendre celui de vivre ensemble. Je l'aime pas beaucoup, mais au moins ça me débarrasserait justement de ce pack. Et je me dis que dans l'esprit de la chambre, avec ses couleurs un petit peu boisées et un petit peu plus anciennes, ça pourrait le faire. Par contre, là, on a vraiment trois couleurs de bois différents et ça, ça me dérange. Sinon, il faudrait peut-être que je passe ça comme ça. Waouh, mais le drap rouge, c'est vraiment très agressif, hein. Sinon, je mets en blanc. Ouais, écoutez, c'est terne, mais en soi, ça va quand même mieux ensemble. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas ajouté de fenêtre ici. Donc ça, bon, comme ça fait partie de l'aspect construction, je le prends pas en compte dans mes packs, hein. Je vais aller chercher une fenêtre du jeu de base à placer juste là. Et donc, il va nous falloir des rideaux. Et rien que là, le choix commence à être très restreint. Je pense que je vais opter pour le rideau de paranormal. Au moins, il va bien au niveau de la taille de la fenêtre. C'est blanc, donc c'est pas choquant. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé aussi un tapis sous le lit. Ouh là là, des tapis, il reste vraiment pas grand chose. Est-ce que je prendrais pas celui-ci de premier animal de compagnie? Au moins, le tapis en lui-même, il est assez basique, ça surcharge pas. Et c'est un kit où disons que ça me gêne pas trop si je peux plus l'utiliser après. Donc je vais partir là-dessus. Il ne me reste plus qu'à mettre un revêtement mural dans la chambre. Oula, là ça va commencer à être compliqué. Ça, je trouve que ça va assez bien avec le sol de la maison, avec mes meubles un peu moins parce que c'est hyper flashy. Mais on va pas se mentir, ça rajoute une bonne touche de couleur dans cette pièce qui jusqu'ici était quand même assez tristoune. Sinon on aurait ça, qui est quand même un petit peu plus neutre. Disons que ça fait moins mal aux yeux, mais ça s'accorde aussi moins bien avec la couleur du parquet, et surtout je trouve que ça fait un peu enfantin, non? Ah, mais attendez, est-ce que c'est pas le moment pour utiliser Moschino sinon? Déjà, je le mettrai sur ces deux murs-là pour encadrer l'extérieur de cette pièce, et ici, je pourrais éventuellement utiliser écologie
pour remettre des murs plutôt blancs. Ah, c'est quand même très triste sur ce mur par contre quand on enlève les motifs. Sinon, j'utilise le même papier peint, hein, toujours écologie, mais je le fonce histoire de faire quand même un petit relief sur ce mur. Donc, j'ai enlevé Moschino, j'enlève écologie. Là, on est à peu près bon pour cette pièce, il nous reste donc le salon. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste comme canapé? En vrai, j'en ai plutôt pas mal qui sont encore bien. Celui-ci, il est très très cool, mais là, il m'en faudrait un plus petit. Alors, on aurait celui de mini maison. Après, bon, les couleurs. Oh, vous me direz, le bleu, là, il est sympa. Pour la table basse, si j'en veux une qui soit pas trop grande, bon bah clairement il me reste que celle-ci, donc ça m'embêterait de l'utiliser. Sinon, est-ce que je partirais pas sur celle de coin lecture? Allez, là j'ai sacrifié quand même un très beau pack, hein. Une lampe sur pied, est-ce que je vais en trouver une qui me plaît dans ce qu'il reste? Oula, je vais garder en tête que j'ai celle de déco d'intérieur si jamais, mais pour l'instant je préfère me garder ce pack. Côté télé, ouh, heureusement qu'il me reste luxe moderne, hein, parce que clairement, sinon, il n'y aurait eu aucune télé dans cette maison. Donc, je vais pouvoir l'accrocher juste ici. Et pour le meuble en dessous, bah, je vais clairement utiliser des meubles hauts de déco d'intérieur. Ceux-là, par exemple, seront parfaits. Et là, sans déco d'intérieur, croyez-moi, ça va être plus compliqué. Oula, et j'avais l'impression que c'était la même couleur que la table basse, mais finalement pas du tout. Ça me contrarie un petit peu. En revanche, je vais changer la couleur de ça. Et ouais, c'est vrai que ça me donne envie de changer la table basse, tout ça. En plus, celle d'escapade enneigée aura vraiment une couleur qui va bien. Donc je supprime ça, je remplace par cette table et je viens donc supprimer escapade enneigée. Et je me remets coin lecture. Et avec coin lecture, justement, on a une belle lampe sur pied. Donc, c'est directement ce que je vais utiliser. Franchement, ça fit trop bien. Un tapis pour le salon. Et ben là, pour le coup, je pense que je vais utiliser celui du kit industriel. En plus, on l'a en bleu, comme ça. Et je vais juste en profiter pour décaler un petit peu tout ça. Que ça ait l'air plus centré sur le tapis. Ça me plaît déjà un peu mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Un coin salle à manger peut-être? Alors là, en termes de petite table, bon, bah, ce sera clairement celle-ci. Quoique, attendez. C'est vrai que ce serait bien que j'utilise Vivre Ensemble parce que j'aime pas trop les objets de ce pack. Donc si je pouvais m'en débarrasser. Et du coup, pour les chaises, oula, ça commence à être vraiment très très restreint. Peut-être qu'avec le pack alloué, je pourrais utiliser ces chaises-là. Ça passe plutôt bien. Je vais juste venir décaler un peu ça. Alloué, je l'aurais vraiment gardé le plus longtemps possible. Ensuite, ce serait pas mal de rajouter aussi une plante. Et donc, avec le Rikikit intérieur fleuri, laquelle je vais sélectionner. Ah, celle-ci, elle est pas mal. Dommage que les feuilles soient si vertes. La couleur du pot, sinon, elle était très jolie. Sinon, on pourrait avoir celle-ci. Je vais venir la mettre sur la table basse. Ça me fait vraiment mal au cœur d'enlever ce Rikikit. J'aurais tellement aimé l'utiliser plein de fois. Maintenant, c'est vrai qu'avec ambiance patio, je sais pas quoi utiliser. Donc, au pire, ça pourrait être ça. Si je le mets plutôt ici et que je décale ma poubelle pour la placer là, normalement ça devrait être encore bon. J'ai pas mis de revêtement mural dans le salon. Là, il me reste vraiment plus grand chose. Heureusement, il y a luxe dans le désert là, parce que je me dis que je pourrais clairement utiliser le noir sur ce mur et celui-ci. Et pour finir avec cette pièce, je vais utiliser ce revêtement sur ce mur. Comme ça, ça me fait utiliser le pack bowling. Et ça, je me demandais vraiment comment j'allais m'en sortir avec ce truc. Je me tâte à passer cette table en noir. Et du coup, les chaises aussi. Enfin, j'aime pas du tout ces chaises-là en noir. Par contre, la table, je préfère. Sinon, c'est vrai qu'il me reste encore les chaises qui viennent avec Vie à la campagne. Et dans ce cas-là, je récupère alloué. Eh mais non, mais attendez, je suis bête. Je dois pas utiliser deux fois le même objet. Donc clairement, je ne peux utiliser qu'une fois chaque chaise. Et surtout, ici, j'ai utilisé deux fois le même meuble. Ça va pas non plus. Donc pour les chaises, je vais utiliser celle de Vie à la campagne et celle d'Île paradisiaque. Au moins, les deux chaises sont noires. Du coup, je récupère alloué, mais j'enlève Île paradisiaque, Vie à la campagne. Et donc, pour ce qui est du meuble télé ici, il va falloir que j'en enlève un des deux. Donc, malheureusement, je vais devoir modifier et je vais
tout simplement remplacer ce meuble par un autre qui vient de déco d'intérieur aussi, mais un meuble dont je n'aurai besoin de n'avoir qu'un seul élément. Ça sera celui-là que je vais réduire un petit peu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste jardin romantique, tricot de pro, petit campeur, objet du quotidien et à louer. Je vais donc commencer par les plus chiants, c'est-à-dire petit campeur et jardin romantique. Alors, jardin romantique, le truc le plus petit que je puisse utiliser, je crois bien que c'est ça. Donc, par contre, je vais encore le réduire peut-être deux fois hein, pour le placer en intérieur. Et je vais venir le mettre ici. Maintenant, petit campeur, ça va être compliqué aussi. Hein. Ah, on a le coussin. Bon, alors, il y a des motifs dessus qui font très enfantin, on est d'accord. Mais en vrai, ça passe. Donc, je vais carrément aller le poser sur le lit. Et donc, il nous reste à louer tricot de pro et objet du quotidien. Je vais commencer par tricot de pro. Pourquoi pas venir utiliser ça quelque part. Au moins, ça me ferait une décoration murale. Dans la chambre, ça aurait pu être grave cool. Je verrais même ça plus grand. Bon, là, c'est un peu trop grand. Au niveau des couleurs, ce serait sympa de mettre, par exemple, un truc qui ressort un petit peu plus, comme ça. Ah, mais attendez, je n'ai changé aucun luminaire dans la maison. Dans la salle de bain, ça ne me dérange pas que ça reste un spot. En revanche, c'est vrai que dans la pièce de vie, ça m'embête. J'ai rajouté l'éclairage de Halloween. C'est vraiment dommage parce qu'avec ce pack, on aurait pu se mettre genre soit ça ici, quoi même carrément cet éléphant, hyper sympa. Enfin bref, on avait plein de trucs, mais j'ai pris le luminaire. Bon, bah tant pis. Il nous reste donc objet du quotidien et qu'est-ce qui fait le plus vide? La table basse ou la table à manger? Peut-être la table à manger. Donc je vais plutôt opter pour l'ensemble de tasses. Et voilà, j'ai tout mis. Alors est-ce que je me garde du coup le droit de rajouter un objet jeu de base ou pas? Peut-être des livres que je rajouterai sur le meuble télé, comme ça, ça me fait une bibliothèque, parce que sinon, c'est vrai que j'en ai pas. Par contre, je n'ai pas mis de rideau pour séparer la chambre. Peut-être que au lieu de rajouter des livres, c'est ça que j'aurais dû ajouter avec le jeu de base. Encore que, en réalité, j'ai aucun rideau du jeu de base qui ferait vraiment l'affaire ici. Sinon, tant pis, je remets un spot au niveau du salon et je me sers d'allouer pour rajouter un rideau. Par contre, du coup, j'ai dû enlever le luminaire ici et relaisser le spot classique du jeu de base. Je sais pas si on me le compte celui-là. Sinon, si vous trouvez que ça compte comme un objet replacé jeu de base, il faudrait donc que j'enlève la bibliothèque. Et dans ce cas, quitte à garder ça comme un objet jeu de base, je vais quand même prendre un éclairage un petit peu plus joli. Je suis plutôt satisfaite de cette construction et de ce challenge, même en règle générale. Je l'ai trouvé très très cool. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter cette vidéo ou de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Allez, ciao !